Hey yo les gens, c'est Flotini71. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça pète la forme. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve sur du bon Black Ops 3, les gars. Et oui, le jeu est enfin sorti. Donc aujourd'hui, les gars, on se retrouve en mode zombie sur la map Shadow of Evil pour trouver le premier easter egg. On va dire qu'on peut découvrir ça, cette fameuse map. Et quand j'ai découvert, les gars, je dirais que j'étais assez surpris car franchement, c'est vraiment énorme. Donc les gars, ça va être un petit easter egg qui va vous permettre de passer 5 manches d'un coup. Donc sans faire les 5 premières manches en gros, juste en tirant sur un petit objet caché dans la map. Vous allez voir ça tout de suite. Donc ce qu'il faudra faire les gars, c'est lancer la map Shadow of Evil, normal, et lancer la petite cinématique de début. Ensuite vous appuierez sur X pour passer la cinématique, comme à chaque fois que vous lancez une nouvelle partie pour jouer en mode zombie. Et c'est là qu'ensuite vous devrez bien regarder la vidéo pour vraiment viser le bon objet, ou plutôt la bonne personne. Vous allez voir, c'est une sorte de personne qu'on peut rencontrer plusieurs fois dans la map. Donc moi personnellement, je l'ai rencontré une deuxième fois dans la map et quand j'ai tiré dessus, ça a rien fait de plus. Donc je pense que c'est uniquement disponible au début de la partie. Donc voilà, quand les gars vous spawnez, vous allez viser en haut. Donc vous allez voir des petits escaliers, voilà, sur le bâtiment, voilà, style américain. Et là les gars, vous aurez tiré sur le petit personnage entouré d'une aura violette. Et là, bim, d'un coup, vos manches vont passer de manche 1 à manche 5 et vous allez recevoir 1000 en bonus. Donc ça fait toujours plaisir, 1000 de monnaie de plus 5 manches passées uniquement comme ça, ça va vraiment bien, ça va vite. Peut-être qu'ils ont rajouté ça parce qu'il n'y a pas l'option comme sur Black Ops 2 qui est disponible pour passer les 10 premières manches, voire les 20 premières, comme par exemple je faisais souvent moi sur la map ville. Donc ça se trouve c'était pour ça qu'ils ont rajouté, mais en tout cas ça fait plaisir quand j'ai vu ça. Donc voilà les gars, c'était une vidéo très courte, hein. C'était juste pour présenter ce petit easter egg, parce que je pense que bah, vous allez être de nombreux à l'apprécier ce petit easter egg, et même je pense que maintenant vous allez faire que ça presque, si vous avez la flemme de passer les 5 premières manches, car elles sont pas vraiment bénéfiques, et en plus... bah vous les passez plus vite fait quoi, ça va mieux. Et voilà. Donc voilà les gars, c'était une vidéo très courte. Donc j'espère que vous aurez apprécié comme d'habitude. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si vous voulez le plus de petits hit easter eggs ou de choses sur le nouveau zombie de Black Ops 3 qui s'annonce vraiment épique. Donc moi je dis à plus tout le monde, à la prochaine. Allez, piston, c'était Flotini71.